Eh bien, salut à tous, c'est Darko pour le premier épisode de notre Let's Play sur Doom Eternal. Ça y est, il est enfin sorti depuis jeudi soir, enfin, la nuit de jeudi à vendredi. Là d'ailleurs, j'enregistre, il est 2h ou 3h du matin, je ne sais plus, mon dieu. Mais je voulais impérativement vous faire ce Let's Play. J'avais déjà fait le Let's Play de Doom de 2016 il y a quelques années. Je vous mets d'ailleurs le lien de la playlist complète du Let's Play en fiche et en description de cette vidéo aussi pour ceux qui voudraient le voir. Bien entendu, je le rappelle, Doom, c'est un jeu qui est excessivement gore, qui est excessivement violent, qui n'est donc pas conseillé aux personnes qui sont sensibles, telles que les personnes qui ont moins de 16 ans, bien entendu. Et je suis, on ne peut plus, hypé. Je crois que je n'ai pas été autant hypé par un jeu que depuis que j'ai joué à Resident Evil 2, le remake, ou depuis qu'ils ont annoncé Resident Evil 3, en fait. Donc là, c'est la suite, évidemment, du Doom de 2016. On va de nouveau incarner le Doom Guy. Je rappelle que dans le premier Doom, il y avait donc sur une base de Mars, un portail vers le monde des enfers qui avait été ouvert, et les démons commençaient à affluer dans notre dimension et nous avions été envoyés dans les enfers pour stopper la contagion et fermer tout simplement le portail. Or, il semblerait que tout ne se soit pas passé comme prévu, puisque là, vraisemblablement, la menace est ailleurs. Alors, j'ai déjà commencé à... j'ai déjà fait quelques tests rapidement, mais vous voyez, j'ai... Hop, là, on efface la sauvegarde, c'est... Juste, j'ai joué 30 secondes pour voir si ça tournait bien, et ça tourne du feu de dieu. Et je vous propose, dès à présent, qu'on se lance. On va se mettre en difficulté normale, à savoir la difficulté fais-moi mal. Et je préviens, il va y avoir des flingues, des démons, du démembrement, et du bon gros métal qui tâche. Donc, on y va. Et évidemment, je vais me muter pour la cinématique de début. Une fois que le jeu aura fini de charger, bien entendu. Si tu veux bien finir de charger. Voilà, à de suite. Face à tout le mal que l'enfer peut enfanter, toute la vilenie que l'humanité peut produire, nous n'enverrons contre eux que toi, massacre-les jusqu'au dernier. Du signal du prêtre de l'enfer. Les envahisseurs ont consumé 60% de notre planète. Le signal du prêtre de l'enfer est verrouillé. La cible est marquée, mais le signal ne tiendra pas. Car c'est lui qu'il redoute, et non l'homme, et ses armées. Ils craignent la marque de la bête. S'il vous plaît! Monsieur, monsieur, monsieur!
Lâchez-le ! Toujours évidemment la musique de Nick Gordon. Ah, tellement agréable. Tellement agréable. Je l'affiche sur votre ATH. Ok, donc faut aller vers là-bas. Alors évidemment c'est un jeu de ID Software qui a été donc édité par Bethesda. Et ID Software, je rappelle que c'est notamment... Ah, attendez. Oui, donc ok. E ou souris 4. Qu'est-ce qu'il entend par souris 4? Aïe. On va y aller à E. Ouh, bien. Ils ont fait les nouveaux... Ils ont fait le Fatality, c'est pas mal. Ok, donc ça, ça change pas. On a toujours l'habitude. Ok, on va rester avec E, c'est bien. Ouh, on commence direct avec la chainsaw. Ça, on va la garder. Ah! Donc, appuyez sur C pour tuer instantanément un démon et libérer et obtenir une munition, machin. Ça, on connaît. J'avais prévenu, c'est gore, hein. Mais ça, c'est marrant. Il y a un petit tutoriel à chaque fois, c'est sympa. Pourquoi pas? J'aime beaucoup. Sympa le petit tutoriel. Ah, là, il y a un truc à récupérer ici. En tout cas, c'est toujours aussi nerveux. Donc oui, je disais, c'est... je vais frapper... déplacer pour... Ok, d'accord, simplement. Appuyez sur l'espace une première fois, une deuxième fois pour sauter, double saut... certains... Ok. Jusque-là, ça va. Donc c'est les mecs qui ont fait notamment... Bien ça. Evil Within est excessivement bien. Ouh, déjà, direct, ça commence cash, il nous file l'amélioration, tout ça, trop bien ça. Ça, ça n'a pas changé depuis, depuis le début. Bon, collante ou tir automatique. Pour un shotgun? Pour un shotgun, tir automatique? J'ai envie de dire que oui. Ok. Ok, pour activer le module d'arme, souris 2, ok, puis souris 1 pour tirer, les exceptions machin, ok. Ah d'accord, faut le charger, bien. Par là on peut pas passer. Il y a toujours la roue, ok. Il y a toujours la roue. Deux lits sensibles sont fissurés et des trucs pour ouvrir la voie. Ok. Mais il y avait un accès en dessous. Attendez, il y a un truc qui me stresse. C'est que ici il y avait quelque chose. J'entends qu'il y a des tirs au-dessus. Je suis sûr que j'ai loupé des trucs, mais c'est pas grave. Au pire, c'est pas dramatique. Évidemment, c'est toujours très la subtilité, hein. Ah merde, ça c'est des alliés, ça. Quoi? Pas du tout, en fait. Très important, en fait, de faire des kills comme ça. Parce que, mine de rien, ça rapporte pas mal de ressources. Alors dites-moi dans le dans les commentaires si l'équilibrage sonore est assez bon. Je trouve que peut-être le son est un petit peu fort. J'ai munitions faibles. Est-ce que j'aurais pas par hasard des munitions dans le coin? Si, là. Très bien.
l'instant, j'ai pas assez de stock de munitions pour m'amuser à jouer en full auto. Hein. On est plutôt pas mal là. Hein, il y a. Hein. Tant qu'à faire. Hein. Vu qu'ici il y avait du carburant, truc de vie. On est vraiment en version à l'ancienne là. Ils ont bien retransmis les items de Doom à l'ancienne. Alors je vais voir un truc. Ouais, il y a toujours ça comme map. Par contre, ça, je sais toujours pas comment est-ce que je peux y accéder. Mais franchement, ça me stresse ça. Ici là, il y a un truc spécial ici. Les trucs dans Doom sont toujours importants à récupérer. Donc je vais être chiant, je sais. Mais ce truc là, je veux le récupérer. Comment je peux le récupérer? D'après, je peux passer par là. Non, je peux pas passer par là du tout en fait. Y a pas un truc que je dois déplacer ou quelque chose comme ça, ou un truc à activer. Parce que je rappelle que dans le premier, enfin dans Doom 2016, il y avait des trucs à. Ok. Il y a des trucs cachés. Il y a des trucs cachés, donc ça récompense l'exploration. Tout simplement. Hop là, je vous le saut. Jouer zombie. Bien ça. Tout simplement. On peut avancer maintenant. Autrement, j'ai pas parlé vraiment de la durée des épisodes. Bon, ça va être une demi-heure environ classique. Hein, et diffusion lundi et jeudi, 8h du matin. Parce que voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Armée infernale. Ah, c'est juste... d'accord, c'est des logs. Ok, avec notamment des artworks. Bien. Bonjour. Reste protégé. Tu ne peux pas. C'est charmant. Ah, ça a bien changé la Terre depuis le coronavirus quand même. Hein. Ça a bien changé depuis le coronavirus la Terre. Oh putain. Le prêtre de l'enfer est exécuté. L'emprise terrestre des démons a réduit de 36,8%. Il reste deux prêtres de l'enfer. Alors ouais, par contre ça, comment dire que les gars, on peut écrire un citadel, ouais. D'accord. Vous êtes sûr que je peux le flinguer celui-là? Attendez, 30 secondes. Tac, tac, tac. Ça c'est quoi ça? Il y a un truc ici à droite. Ça, d'accord. Ici on a quelque chose ou pas? Parce que c'est un jeu qui récompense la curiosité, mais c'est pas vraiment un jeu d'exploration, hein, Doom, hein, je rappelle. On a deuxième module, là. Trop bien. Lui, j'ai déjà débloqué, donc j'ai oublié de mettre les bombes collantes. Shotgun en lance-grenade capable de tirer jusqu'à 5 bombes collantes. Ouais. Ouais. Ok. Puis sur F pour basculer d'un mode d'âme à l'autre. Ok. Donc là, je suis en mode lance-grenade. Ok. Genre ici, on a de l'armure en plus. Toujours important l'armure. Indicateur d'objectif affiche l'impression. Ok. Alt gauche pour afficher l'objectif dans le niveau. Ah ok, pénétrer un stèle, donc ça affiche juste en haut à gauche. Ok.
Aïe. Oh, j'aime beaucoup. Et les nouvelles fatalities qu'ils ont intégrées sont supra méga classe. Par contre, j'avais annoncé, hein, c'est... Ah oui, pas mal. C'est gore, hein, voilà. Comment je peux descendre? Parce que je sais que je peux... Il y a un truc ici. Ah, il y a un secret juste là. Et ouais. Ah, yes, un jouet Doomslayer. Nice. Trop cool. Il y a toujours seulement de petits succès à l'intérieur à trouver. C'est pour les collectionneurs, mais en même temps, ça débloque d'autres trucs sympas en jeu. Bon, allez, on saute. Hop. Je sais pas viser. Par contre, 55 de vie, c'est un peu ledge. Hein. De l'armure, ça me fera pas de mal. Alors, le fait de que ce soit guidé comme ça, c'est pas mal du tout. Donne la clé. Donne la clé. Non, il voulait pas donner la clé. Ah, parce que je voulais le stun pour pouvoir derrière lui faire une fatality, mais non. Ça c'est bon, c'est récupéré, il faut que j'avance en fait tout simplement. D'accord. Ok. Bien. Alors, certains démons ont des points faibles qui peuvent être touchés pour infliger des dégâts supplémentaires ou même pour désactiver leur capacité. Les points faibles clignotent en rouge une fois endommagés. Un démon passif attaquant à distance, sa tourelle est un point faible qui peut détruire afin d'empêcher d'utiliser ses attaques à distance. Ok, donc j'utilise le codex par rapport à ça. Et la musique de Mick Gordon est toujours aussi bonne. C'est très très marrant. Par contre, ça fait très très mal. Ah, ils sont vraiment gavés hein, sur les fatalities. Ils sont vraiment gavés. Ça fait vraiment du bien aussi de revenir sur ce jeu. J'ai ouvert la suite. Un peu d'armure en plus, je ne dis pas non. J'ai hâte d'avoir les pouvoirs améliorés parce que pour l'instant j'ai vraiment des pouvoirs qui sont... Je vais pas dire tout pourri mais... J'ai pas de résistance quoi que ce soit quoi. Voyons voir... Il y a un truc ici, c'est quoi ça? Soin, je suis déjà au max. Je trouve qu'ils sont gavés aussi au niveau de la représentation de la map, sur la minimap comme ça. C'est derrière moi à droite. Au-dessus, non? Genre ça c'est quoi ça? Ok, c'est juste un jump. D'accord. Mais alors, wait. Là, il dit que c'est devant moi le truc qui m'intéresse. Pile poil devant moi. Mais il n'y a rien là devant moi. Bon. Et on va récupérer une autre arme que j'aime beaucoup. Appuie sur. Ah, ça va, rien. Ok. Le fusil d'assaut.
Voilà. C'est bien ça. C'est un fusil d'assaut, c'est cool. Ah ah. Le plan de la map. Très bien. Tac 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 tac. Ça, ok, j'appuie sur tab. D'accord. Et donc là, l'objectif est ici, d'accord. Oh putain, la vache, c'est grand. Plus grand que ce que je pensais. Ok. Bon, ça, on va rester là-dessus. Hein. Point de passage atteint. Quoique. Ce bruit. Ce bruit de la subtilité, mon dieu. Oh mon dieu. Oh, j'aime. Oh là là, c'est trop bien. Attendez, il y a un truc au-dessus. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est jouissif. C'est débilement jouissif. Le sound design est génial, bordel de merde. Oh la vache. Bonjour monsieur. Oh la vache, je vous jure quoi. Franchement, ils se sont gavés. Et non, on va pouvoir récupérer des pouvoirs passifs par la suite, hein. Bien entendu. Ok, ça continue vers là-bas, mais j'ai vu qu'il y avait des trucs à l'intérieur. Genre là, il y a quelque chose à récupérer. Pourquoi tant de violence? Faut que je passe par au-dessus, je pense. Ah, ça doit faire mal, ça. Ah non, mais c'est pas gentil, ça. Bon, ça aussi, ça va faire mal, mais bon... Ah ouais, mais non. Ça, par contre, je suis pas d'accord, ça. Mais aïe! Pourquoi tant de violence? Alors, moi faut que je trouve le passage pour aller au-dessus. Attendez, parce que là, c'est sûr. Ah, c'est par l'extérieur, ok. Ah, c'est par là plutôt. Non. Ça doit être par l'extérieur. Quasi sûr. Info sûr, le mec, c'est par l'extérieur. Ouais, regardez-moi ça. C'est par là, info sûre. Ok. Donc là, ça c'est cool, mais c'est là que ça m'intéresse. Hey, hey. Un petit yellowtin, trop bien. On va essayer de les récupérer, peut-être pas tous, mais de récupérer une grande partie quand même. Là, on est bon. Ok, donc la suite est là-bas. Au revoir. 4 balles. Tout ce qu'il me fallait. Faudrait que j'utilise davantage la tronçonneuse pour récupérer les munitions. Ou alors faut vraiment que je fasse plus attention. Ou alors je récupère ce genre de choses, ici, très bien. C'est pas... Mais si je connais ici, je suis déjà venu en plus. Par contre, je peux passer par là. Ah, ah. Comment j'ai accès à ça?
Et au-dessus aussi. Comment j'ai accès à ça? Par là-bas. Eh hey, nickel. Secret trouvé. Vie supplémentaire. Vie supplémentaire, vous ressuscitez toute votre si votre santé tombe à zéro. Ah, c'est bien ça. Si vous n'avez plus de vie supplémentaire et que ça arrive, vous devrez charger votre dernier point de sauvegarde. Bien. Donc il y a vraiment des bonnes mécaniques de jeux vidéo là. C'est, là on est, ils sont vraiment revenus sur un, sur une ambiance beaucoup plus Doom, telle que, enfin Doomesque, telle que c'était au tout début, donc dans les premiers jeux Doom, mais avec des graphismes beaucoup plus actuels. Et enfin mine de rien ça tourne bien, hein, ça tourne, bon, en même temps j'ai mis 80 mais bon, ça tourne putain de bien. C'est gore, c'est sanglant, c'est jouissif, c'est... C'est typiquement le genre de truc où... Le genre de jeu où, quand t'as passé une sale journée, bah, tu joues à ça, t'es tranquille. Donc, agrippez-vous au mur, hein, en appuyant sur E, escalader en appuyant sur ZQSD. Vous pouvez aussi regarder autour de vous et sauter jusqu'à notre emplacement. Ok, donc, pour ça, d'accord. D'abord, un petit check. Visiblement, j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié un one-up, là. Il y a une vie supplémentaire là-bas. Il y a une vie supplémentaire dans le coin. Non. Bon, au pire, pas besoin. J'ai pas l'intention de mourir, donc ça va. On est pas mal. Ils ont... Ah, voilà, le stab de clé, évidemment, avec la carte d'accès jaune. Qui nous amène à la carte d'accès bleue, qui nous amène à la carte d'accès verte, et une autre jaune. Le laisser passer. Ah, 30... Non, excusez-moi. Aïe. Je veux pas revenir le... Ah si, merci. Ah, parce que j'ai besoin de munitions en fait, donc... Donc bon, tant qu'à faire, hein... Voilà. Vous notez quand même que c'est un jeu qui est très subtil, très délicat, hein... Bon, après tout, c'est Doom en même temps, hein. Délicatesse oblige. Ok, alors c'est quoi ces trucs-là qui tirent? Ok. Une étape nécessaire à la construction d'un meilleur lendemain. Ouais, si tu le dis. Ah ouais, d'accord. Grâce au programme Fusion Infernale de l'UAC, l'humanité peut atteindre son plat officiel. J'ai fait de la merde. Ok, bon bah comme quoi la one-up m'a servi. La purification de la Terre est une étape nécessaire à la construction d'un meilleur lendemain. Ah ouais, ça a dû faire mal ça. Ça a dû faire mal.
Ah bah voilà, munitions, très bien. Ah bah par contre je suis un peu ledge. Terme de mun, je reste quand même un petit peu ledge. Y a rien d'autre là dans le coin. Non, faut vraiment juste que j'avance et puis j'ai plus rien à foutre quoi. Alors, voyons voir, lunettes de précision ou micro-missiles. Les micro-missiles sont quand même beaucoup plus intéressants. Honnêtement, on va prendre ça. Avant, je prenais une lunette de précision. Enfin, pour le premier, j'avais pris une lunette de précision, mais au final, dans un jeu comme ça, les lunettes de précision, on en a rien à foutre. Quoi. Donc bon, voilà. Faut que j'avance, je dirais. Ouais, faut que j'avance. Bah écoutez, avançons. Il va falloir regarder ici s'il n'y avait pas de munitions. Oh. Appuyez sur CTRL gauche ou sur I3 pour lancer une grenade qui explosera tout en touchant le sol. L'explosion. D'accord, donc c'est juste un lance-grenade. Donc ils ont récupéré le lance-grenade des démons qui avaient les jetpacks et lance-grenade intégrés pour faire ça. On peut l'associer à d'autres armes, d'accord. Et la grenade à fragmentation se recharge avec le temps, donc j'en ai illimité. Bon ça. Le cacanement. Ok, il sera instantanément étourdi si vous lui tirez une bombe collante ou une grenade à fragmentation dans la gueule. Non, 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 j'aurais pas dû faire ça. Je me suis chié sur le double saut. Oh, c'est finish. Et cette musique de Mick Gordon, toujours aussi jouissive. Et je vais me tomber comme une grosse merde. Attendez, je remonte. C'est trop bien. Eh, reviens, reviens, reviens. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah mais j'ai plus de munitions, d'accord. Voilà. J'ai pas encore retrouvé le réflexe, hein. Alors ouais, bon, par contre, ouais. J'ai besoin de munitions. Je voulais varier un petit peu le plaisir sur cette sur ce finish. Ok, on va récupérer un petit peu de munitions, je voulais dire. Ok. Tac, ça c'est bien ça. Donc la grenade est de retour. Nickel. Yep. Rien d'autre. Y'a rien d'autre ici. J'ai fait le tour. Ok. Eh bah écoutez, avançons. Il y a déjà 35 minutes.
Ouah, c'est quoi ce méca? Je veux la même chose. Je veux pareil. Je suis plein en mun. Il faut vraiment que j'améliore mon... Enfin, j'ai vraiment hâte de pouvoir améliorer ma capacité en munitions, moi. Massé tient à vous remercier pour votre soutien durant cette phase de transition. Ouais, ouais, ouais. On lui dira. Attendez, mais... Ah, on est bientôt à la fin. On est bientôt à la fin. Non, je suis trop... Ah oui. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton E, c'est pas grave. Je pourrais récupérer ça, mais la flemme. Alors, il y a un truc que je reproche quand même, c'est que dans le premier au moins, on avait un flingue qui avait pas de munitions. Un petit flingue de base. Qui était pas mal du tout, mais au moins on était déjà en cours de. On est déjà à court de munitions. Alors oui, mais ça on s'en fout, c'est ça que je voulais voir. Il y a un secret juste devant moi, à gauche. Aïe! Je vais passer derrière le secret. Sous le secret. Eh hey, hey. Eh hey, merde. Non. Y'a un... Là. Ici. Code de triche trouvé, vie supplémentaire infinie. Sérieux? Code de triche vous permet de rejouer les missions depuis l'écran de champ de mission en les modifiant. Exemple, munitions limitées, toutes les runes, etc. Jouer avec les codes de triche n'empêche pas une progression normale. Résister les missions pour trouver les objets que vous auriez manqué, gagner plus de confrontations, aide expérimenter avec les armes améliorations. Ok. Donc c'est cool. Putain, on peut débloquer les codes de triche comme ça. C'est trop cool. Bon move. Très bon move. On est bientôt à la fin, rassurez-moi. Ah, ok. Ouais, je suis pas très économe en termes de munitions, je vous le concède, je suis du genre un peu bourrin sur les bords, hein. Ah, je crois que c'est par là. Mais eux, ils se battent contre les démons, mais pourquoi ils sont pas avec moi alors?
faut des munitions. Ah. Et il me faut de la vie aussi. Cette sensation de puissance qu'il y a avec ce jeu, c'est orgasmique, génialissime. Alors, suivant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait 40 minutes et j'ai pas envie. Faut que je m'arrête, moi. Faut que je m'arrête, en fait, moi. On termine le niveau. Ah, il y a une armure au-dessus, hein. Bien, je prends. Ah, elle est presque arrivée. On va dire que ça passe. Ça va, ça fait le taf. Oui. Y'a un one-up ici, là. Y'a un one-up ici. Attendez. On l'a fait pas, moi, celle-là. Bon, j'aurais certainement loupé d'autres vies supplémentaires, mais bon, au pire, on s'en fout un peu. Comment je t'ai monté? Pas là-bas. Mick Gordon, franchement, il est... oh, tellement bon. Je suis quelqu'un qui est très sensible à la musique. Hein. Et cette musique-là, je peux vous dire qu'elle me fait des choses. Quelques petits bugs, c'est pas grave. Du tout. En même temps, c'est Bethesda. Hein. On est bon là, j'ai rien oublié. J'ai tout clean. J'ai tout clean. Il y a une one-up là-bas à droite. Il me dit qu'il y a une one-up ici. Non ! C'était la chute. Je m'en fous, je la veux. Nickel. Ah. Scheisse. Bah, j'ai bien fait de voir de prendre l'autre one-up. Hein. Voilà. Non mais alors. Oh. Ça va laisser une cicatrice. La Catmaker n'est pas loin. Dans cette citadelle démoniaque. Je l'affiche sur votre ATH. Alors ouais, mais normalement là on est à la fin du premier niveau, donc on va pouvoir s'arrêter là, on est d'accord mon petit Vega. D'ailleurs ça me fait tellement plaisir de voir que Vega est toujours de retour. Enfin est de retour. Allez, avançons. Les prêtres de l'enfer sont rassemblés juste au-dessus de vous. Mes scans indiquent un ascenseur au centre de ce bâtiment.
Alors ouais, mais ça fait 45 minutes que la vidéo a commencé, donc on va peut-être s'arrêter là, mon petit Vega. On m'en veut pas. Hein. Comme je le disais, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Et putain, qu'est-ce que c'est jouissif de jouer à ce jeu, bordel. J'ai tellement hâte d'être... déjà d'être à lundi pour voir votre... votre réaction par rapport à tout ça. Et en plus de ça, j'ai hâte d'être à lundi soir pour pouvoir enregistrer l'épisode 2 qui va sortir jeudi. Mais oui, mais oui. Enfin bref, j'espère sérieusement en tout cas que le retour de Doom sur cette chaîne fait plaisir autant qu'à moi en tout cas. Si c'est le cas, je vous encourage à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir, et surtout comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye.